Et donc sur ma chaîne Incroimax. Et donc là on va faire une vidéo de surprise. Donc voilà, c'est un nouveau jeu qui est sorti sur la Switch. Surprise, voilà, je vais vous montrer. Je vais allumer la Switch. Voilà. Et la télé. Parce que aussi j'avais oublié un peu de tout allumer. Et mon plaisir que j'avais complètement oublié. Donc là j'étais en train de faire un match FIFA, donc Uruguay Russie. Tout à l'heure c'était match nul contre l'Uruguay, contre l'Arabie Saoudite. Bref, voilà, ils sont très bien rendus, compris que je voulais faire ça. Et on va jouer à Fortnite, hein, donc c'est une surprise. Voilà pourquoi j'ai dit surprise. Et donc, et ben on va jouer. Voilà, et donc on va jouer tout de suite. Je sais pas avec qui déjà, avec personne. Mais si vous entendez des voix, peut-être. Et bien ça va être deux amis inconnus. Mais bon, ils sont pas en cours. Vidéo. C'est pas très grave. À part s'il n'y a pas rien. Mais bon, c'est pas grave. Fortnite, ça en train de charger. Je vais mettre un peu plus fort. Bon, moi, après cette vidéo, je ferai encore une vidéo de Fortnite. Et ensuite, on va attaquer encore une surprise. Mais cette fois, ben, personne connaît ce jeu à part quelques-uns. Enfin, beaucoup connaissent ce jeu, mais franchement, enfin, pas beaucoup. Bref, vous m'avez compris. Et donc, on va commencer. C'est la première fois que je joue. Alors, oui, la première fois. C'est là où vous pouvez pas jouer. Ah, déjà c'est ça. Si, si. Bon, c'est bon. On va en profiter pour être à la plage. Ah. C'est qu'on peut avoir 1, 2, 3. Voilà, connexion en cours. Je pense que je peux. Je vais juste prendre l'écran. C'est normal que vous ne voyez pas l'écran. Parce que là, par contre, c'est pas normal que ça bug comme ça. Prendre l'écran, désolé. Vous voyez toujours. Mais on est plus mis. Bon, je pense qu'on va pas faire Fortnite. Je suis vraiment désolée. Bon, c'est eux qui ont voulu. Et donc, et bon, on va pas faire Fortnite. Hein. Écoutez. Je crois qu'on va jouer là. Un jour, un autre. Du coup, je dois changer
cartouche. Voilà. C'est FIFA 18. Hop. Désolé. Déjà le jeu sur PC. Joli. Et FIFA, j'avais posé quelque part, mais pas mon sac. Ah oui. Table. Cool. La prochaine fois, je vais faire une vidéo de Splatoon sur tous les jeux. Enfin, pas de Splatoon. Pas Splatoon. Je sais pas ce que c'est ma dernière vidéo que j'ai faite. C'est pas grave. Je pense que c'est une vidéo de ça. Mais bon. C'est pas grave. On va mettre la cartouche du jeu surprise. Donc là, vous allez le découvrir. C'est NBA 2K18. Ce qui est ici. Voilà. Et donc, ben c'est parti. Et voilà, donc c'est un jeu de basket. Ça fait très longtemps que j'ai pas y joué. Non. On va faire ça toutes les 30 secondes. Ah voilà. NBA. 2K Sports pregame show. Et voilà. Hey, Ernie Johnson. So Golden State will get the first possession. All right, let's set the floor. Courtesy of Gatorade, all fueled up and ready to go. So for the Golden State Warriors right now, lethal shooting pair playing KD out on the perimeter. Inside, we've got Draymond at the four and Pachulia to his left. And it's Curry at the one spot. Ingram gets to Randall. To the middle. It's tipped. And it goes out of bounds. Last touch by Petrulli. Just getting the hand in there and knocking it out. Well, some of that too is just setting the tone by being aggressive. You need guys like this on the team. Now, here's Ball. D right on him. Pocket six. Caldwell Pope against Thompson. That's going to be a 24-second shot clock violation. They turn it over. Outside Durant for three. No! Thank you.
steal, and even 3-on-3 break. At the elbow, Green over Lopez. Green's got his first points of the game. Oh, he keeps getting more consistent on the catch and shoot. That one is very much a rhythm. Now, here's Ball, guarded by Kirk. Randall against Green. 6 on the shot clock. The Lakers need to get a shot off here. Turnovers, but not get off the shot before second violation. And one thing that Steve Kerr has done so well in his coaching tenure is his ability to handle multiple stars on the same team. You look back at the history of this league, and it isn't always smooth sailing. Yeah, sometimes when you get this much talent on teams, you can get guys clashing. But Kerr has the team playing as a unit, and players are happy to sacrifice their own stats for playing better basketball. He has everyone buying into the culture of the game. Is there anybody with a quicker release than Thompson? I mean, if there is, I haven't seen him. That's a lightning quick trick. What? In the corner, it's in. No, I'm going to. Over on the corner, Randall. Out of bounds, Golden State takes possession. Yes, it's me. La vidéo arrive dans 15 minutes. And early on, they've been nearly perfect from the floor. Just the one miss here on their first 5 attempts. And we've just seen them make mistakes on back-to-back trips. Both those turnovers could have been avoided. Over 2.5 minutes gone here in the first. The phenomenal athleticism from Durant. Man, he's just a tenacious dunker who spikes it in. That unleashed chaos Under Armour replay is really giving us a good look at the action. And he'll kick the ball. In the corner, it's Ingram. Cheap turnover. You gotta make sure your target's ready for the pass before you let it go. Andre Iguodala. He's checked in for Golden State. Curry with him. There's the feed to Durant. Done your job so far, but the question is now, can they sustain this level of energy? Just a lot of game to play. So timeout called here, the first for Los Angeles. And Chris, the teams you were on were so good at passing at every position. Just what is needed to build a kind of offense that does pass the ball like that, that's as fluid as that? Well, two things. You have to have an offensive system, and then you have players with the skill set. You know, you can't really be a good passer if you're not a good scorer, because everybody's just going to stay back off of you and deny their man. But when you're a pretty good scorer, everyone has to watch you just as much as they watch their man, because you're just as much of a threat with the ball as you are passing. So I would say there we had guys that really could move the ball, that really could shoot the ball, so they were a threat. And all they had to do was be kind of a decoy, pump fake, attack the basket, draw another guy, and then pass it to a guy that's willing to shoot. And selfishness is a big trait, too, that you have to have. Guys that like seeing their teammates score. Guys that enjoy seeing their other players get involved into the game. Great breakdown. Here's what the Lakers are going with right now. Zubac is checked in for Lopez. Nance comes in for him. Je suis vraiment désolée. Et donc, ciao!